le ministre des Affaires étrangères. Bonjour à tous, bonjour Laurent Fabius. Ravi d'être avec vous, bonjour et bonne année. Merci. Les pays voisins de la Centrafrique se réunissent aujourd'hui au Tchad. On dit que le président tchadien, le président centrafricain plutôt, pourrait démissionner. Qu'est-ce que ça changerait ? Il va y avoir une réunion effectivement des États de ce qu'on appelle l'Afrique centrale. Donc il y a le Tchad, le Congo, le Cameroun, etc. Et il y a des décisions à prendre, mais la France sera observateur, simplement observateur. Et ce n'est pas du tout à nous à dicter les décisions. Les Africains vont prendre leurs décisions. Il y a en fait plusieurs problèmes qui se posent. Bon, l'objectif là-bas, c'est quoi ? Un, rétablir la sécurité, puisque les gens s'entretuent. Donc il faut désarmer, rétablir la sécurité. Deux, il y a un problème humanitaire massif. Songez que sur 5 millions d'habitants, il y a 7 chirurgiens. Et les organisations humanitaires font un travail magnifique, mais elles sont débordées. Et puis, il y a le problème de la transition politique, parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, il y a un tandem qui est le président, M. Diotodia, et le Premier ministre, M. Tiangaï, mais l'État est paralysé. Les ministères sont quasiment fermés. Mais qu'est-ce que ça changerait, je repose ma question, si le président centrafricain démissionnait ? Alors, bon, je ne sais pas quelles sont les décisions qui vont devoir être prises. Encore une fois, ce n'est pas à la France de les dicter. Mais par rapport notamment à la question de la transition politique, au fait que l'État est paralysé, il y a certainement des décisions à prendre. Et on va voir ce que nos amis africains décident. Est-ce que la France souhaite cette démission ? La France n'a pas à dicter des décisions. Nous sommes venus en appui, et notamment, essentiellement par nos militaires qui font un travail magnifique. Mais le temps est terminé où c'était la France qui disait « c'est M. X ou c'est M. Y ». Ça, ce temps-là est terminé. Mais est-ce que ça simplifierait le problème, politiquement ? Je pense que je ne veux pas trancher à la place des Africains. C'est clair et c'est net. Mais je crois qu'il y a sûrement des mesures à prendre pour que l'État reparte. Sinon, et ça passe par une démission ? Paralysies. Je laisse ça vraiment aux responsables africains à décider. Je ne veux pas du tout le faire à leur place. Pourquoi est-ce que nous sommes là-bas ? Parce qu'il y a beaucoup de gens en France, et on peut tout à fait le comprendre, qui disent « mais au fond, c'est loin, la Centrafrique, c'est cher, ça expose nos gens, etc. » Le problème était tragiquement simple. Ce pays était en train de se noyer. Vous parliez de génocide, il y a quelques semaines. Oui, en tout cas... De risque d'affrontement interconfessionnel. Songez que la veille du jour où nous sommes intervenus, il y avait eu 1000 morts. Et je pense que tout le monde reconnaît que si la France n'avait pas envoyé ses militaires, c'était peut-être 50 000, 100 000 morts. On ne peut pas, quand on a un peuple ami, que l'ONU vous le demande, que les Africains vous le demandent, passer comme ça en sifflotant et dire « ça ne me regarde pas ». Donc nous intervenons, d'une manière limitée d'ailleurs. C'est d'abord aux Africains à intervenir. Ils vont être 6 000, nous sommes 1 600. Mais est-ce que c'est vrai suffisant qu'il y a des décisions Est-ce qui que c'est prises. Suffisant, 1 600 hommes, pour établir la paix dans un pays qui connaît la guerre civile ? Nous ne voulons pas entrer dans un engrenage. C'est clair et c'est net. Quand nous prenons des engagements, nous devons les tenir. Nous l'avons fait au Mali. Au Mali, c'était une affaire différente, c'était de lutter contre le terrorisme. Mais nous sommes montés assez haut pour aider le Mali. Et maintenant, le président de la République vient d'annoncer que nous allons descendre à 1600 hommes en février et ensuite à 1000. C'est notre engagement. De la même façon, nous ne voulons pas être pris dans l'engrenage. Nous voulons faire Donc on restera, mener notre action. On restera 1600 hommes. Il n'y a pas de renforts qui sont prévus. Mais il faut que nous soyons aussi appuyés par d'autres. Alors d'abord les Africains, 6000. Et puis, comme vous le savez, nous avons demandé aux Européens de nous aider. Et nous avons une réunion le 20, exactement, lundi en 8, où, sur la proposition de Mme Ashton, qui est la ministre des Affaires étrangères européennes, on va voir ce que les Européens, je l'espère, peuvent apporter. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Il y a plusieurs schémas qui sont prévus. L'un des schémas, c'est qu'ils aident les Africains et nous-mêmes sur l'aéroport, parce qu'il y a l'aéroport à prendre en compte, sur le plan humanitaire, aussi. Et puis alors à terme, mais ça c'est plus loin, pour aider à la formation de l'armée centrafricaine, parce qu'il n'y a plus d'armée centrafricaine. L'Europe le fait très bien au Mali, on pourrait le faire aussi en Centrafrique. Les musulmans en Centrafrique accusent la France de favoriser les chrétiens. Et réciproquement. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Nous, désarmement impartial. Impartial. C'est notre rôle. Et d'ailleurs, quand nous faisons des marches et des patrouilles. Nous faisons des patrouilles
parfois qui sont uniquement françaises, parfois avec, entre les Français et les Africains. Il n'y a absolument aucune partialité. On ne voit pas pourquoi on soutiendrait les uns contre les autres. Nous sommes là. Il faut bien comprendre que notre politique extérieure a quatre objectifs. Il n'y a pas 25 objectifs, il y a quatre objectifs. Le premier, c'est la paix et la sécurité. C'est ce que nous faisons en Centrafrique. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la planète. Troisième, l'Europe. Quatrième, le redressement. Et là, nous sommes dans notre tâche, comme nous l'étions au Mali, dans des circonstances différentes, de préserver la sécurité, sinon ça aurait été le massacre. On parle d'un risque d'enlisement de l'armée française. Écoutez, l'armée française est arrivée le 6 décembre. Nous sommes combien ? Le 8 janvier, le 9 janvier. Personne de raisonnable ne peut dire qu'au bout d'un mois, il y a un risque d'enlisement. Non. Les élections, ça sera quand ? En Centrafrique ? Alors, l'ONU a dit au maximum en février 2015. Et les pays voisins souhaiteraient que ce soit en 2014. Mais pour arriver à ça, il y a un énorme travail à faire. Nous l'avons réussi au Mali, où il y a eu une élection parfaitement régulière. Mais là, l'état civil, par exemple, a été détruit. Donc vous voyez le travail qu'il y a à faire. Pour ça, il faut évidemment qu'il y ait une équipe politique, on vient au début de votre question, qui soit en situation de le faire. Et des élections sans le président actuel ? Oui. Ce qui a été décidé, c'est que à la fois le président, le Premier ministre et le président de ce qu'on appelle le Conseil national de transition ne pourraient pas se présenter. Ça, c'est un acquis. Autre sujet, la Syrie. Vous réunissez ce week-end les pays qui soutiennent l'opposition modérée. Est-ce que l'opposition modérée, justement, en Syrie, n'a pas perdu la partie face aux islamistes ? J'espère bien que non. Une remarque. Si la France avait été écoutée dès le début, on n'en serait certainement pas là. C'est-à-dire si on était intervenu militairement ? Non. Nous avons dit dès le début, c'est une des premières décisions que nous avons prises avec le président français, c'était en juin ou en juillet. Nous avons dit, nous soutenons l'opposition modérée. Pourquoi ? Parce que M. Bachar al-Assad, c'est selon le terme de M. Ban Ki-moon, un criminel de masse, un criminel contre l'humanité. Ça ne peut pas représenter l'avenir du pays. À l'époque, rappelez-vous, il n'y avait pas d'Iraniens là-bas, il n'y avait pas de Hezbollah, il n'y avait pas de terroristes. Et il aurait suffi d'un certain mouvement que l'évolution se fasse. Malheureusement, c'était la campagne américaine, des élections, les pays arabes étaient divisés. Aujourd'hui, on est plusieurs mois plus tard. Et nous soutenons toujours l'opposition modérée. Nous ne voulons ni d'un criminel contre l'humanité, ni du terroriste. Et donc, nous soutenons ça, mais c'est très difficile. Et nous plaidons pour Genève 2, c'est la conférence qui va se réunir, qui doit se réunir le 20. Seulement, c'est compliqué parce que l'opposition dit « moi, je veux bien y aller, d'accord ?» Mais à condition que l'objectif ne soit pas de maintenir M. Bachar. Bon. Et, pardon, Bachar al-Assad lui-même est prêt à envoyer des émissaires, mais je ne suis pas du tout sûr qu'il soit prêt à discuter de son propre départ. J'ai reçu hier, au nom de la France, la lettre d'invitation de M. Ban Ki-moon. Elle est extrêmement claire et bien rédigée. Elle dit l'objectif de Genève 2, c'est constituer un gouvernement de transition avec tous les pouvoirs exécutifs. J'espère qu'on C'est-à-dire va y arriver. C'est-à-dire avec l'opposition modérée, oui, et avec les partisans de Bachar al-Assad. Avec des éléments mais sans du Bachar régime, al-Assad. Sans Bachar, voilà. Parce que, si vous voulez... Et vous croyez qu'il va accepter ? Il n'y est pas spontanément enclin, mais l'objet de cette conférence, où il y a vraiment l'ensemble des grands représentants du monde, c'est de l'y pousser. Et dimanche, justement, je réunis à Paris ce qu'on appelle le core group, c'est-à-dire les 11 pays qui sont les soutiens de l'opposition modérée. Et là aussi, la France, elle ne peut pas décider à elle toute seule. Mais je pense que la position que nous avons prise est une position juste. Mais ce ne sera pas facile. Je reviens à ma question. Est-ce que les islamistes n'ont pas gagné beaucoup de terrain ? Les islamistes, les extrémistes et Bachar, finalement, se font la courte échelle, les uns les autres. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Bachar dit, si vous ne voulez pas des terroristes, il faut être pour moi. Et les terroristes disent, si vous ne voulez pas Bachar, il faut être pour nous. La seule solution, c'est l'opposition modérée. Mais c'est vrai qu'ils ont gagné du terrain depuis le moment juin 2012, où la France avait pris position. Ça aurait été bien qu'on nous écoute. Merci. William, c'est à vous. Merci, messieurs.